C'est parti pour ta manifestation relationnelle sous la constellation de la Vierge. On prend le ciel de notre pleine lune en poisson pour ce faire. À qui est-ce que tu penses sous la constellation de la Vierge Wow depuis la balance en maison 2, projetée en bélier en maison 8, à quelqu'un à qui, pour l'instant, tu n'as plus rien à dire. C'est ça Ouh, c'est ça. Le soleil. Quelqu'un d'adorable, possiblement. Quelqu'un de plein d'énergie, de joie, de jeu, euh, en capricorne en maison 6, invitant le lion en maison 1 à s'exprimer. Ah là là. Quelqu'un qui est en soleil dans ton quotidien de vie, de travail, de santé, de soins, de services, de bien-être aux personnes comme aux animaux, ce que je ne comprends pas, c'est que tu mets un terme à cette relation. Mais c'est un soleil, c'est quelqu'un que tu aimes beaucoup, qui ravive en toi une énergie de feu très puissante dans ton cœur est ce que cette personne ressent pour toi le 7 de coupe C'est nébuleux ce que cette personne ressent. Cette personne ne sait pas elle-même ce qu'elle ressent. Non, c'est pas vrai. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce que tu ressens pour elle ou pour lui. Parce que ce que cette personne ressent, c'est la reine de coupe. Donc, du coup, le set de coupe en scorpion en maison 4 me dit qu'il y a une séparation, il y a une turbulence ou une disruption entre vous. C'est quelqu'un qui se sent émotionnellement, du coup, un peu perdu. Depuis un état d'amour inconditionnel que cette personne te voue, le problème de cet amour inconditionnel que cette personne te voue, c'est que c'est quelqu'un qui ne dit rien, qui a presque peur. Comment cette personne te voit comme le 6 du bâton, comme l'amoureux du bâton C'est quelqu'un qui est amoureux ou amoureuse de toi. Et toi, tu ne le sais pas parce que cette personne, elle s'engage émotionnellement auprès de toi sur une scène d'alliance, de soutien, de projet, d'action, de groupe, euh, d'un rôle ou depuis un rôle au sein du collectif de la communauté, de, depuis une amitié, depuis un contact. Depuis lequel cette personne tente de manifester quelque chose qu'elle ne dit pas en maison 12. <coughs> et du coup, ça donne quoi Ça donne que c'est quelqu'un qui te voit réussir au cœur de ton quotidien, avec ou sans son soutien, avec ou sans sa présence dans ta vie. C'est quelqu'un qui te voit très indépendant, très indépendante, et qui te voit très attirant, très attirante. Telle énergie qui est magique pour cette personne. En version maison six, <coughs> t'es magique. Cette personne voudrait euh, t'avoir à ses côtés tout le temps, quoi. Du matin au soir, ce serait pas un problème. Comment toi, tu vois cette personne comme l'étoile, comme quelqu'un d'inaccessible, apparemment. Vous, vous comprenez pas. Hein. Vous, vous comprenez pas du tout. Et c'est quelqu'un que tu, que tu vois comme inaccessible, mais tu vois cette personne comme inaccessible en verso, en maison 7. Les gens, il faut m'expliquer en fait. Parce que du coup, en verso, en maison 7, cette personne que tu considères inaccessible, elle se rend accessible pour toi. Donc tu veux quoi en fait <laughs> C'est ce que cette personne te dit. Hein. C'est mais enfin, je suis là, je m'engage émotionnellement, il y a une vraie connexion entre nous et je veux que ton bien. Qu'est-ce que tu veux tu veux continuer de te raconter que je suis inaccessible jusqu'à ce que je, je le devienne vraiment, genre Cette personne, elle n'est pas du tout inaccessible. Mais toi, tu pourrais l'avoir comme ça. Peut-être par un comportement dissimulateur chez elle ou chez lui que tu n'arrives pas à correctement interpréter vis-à-vis -vis de toi. Et ça, je pourrais le comprendre. Parce que c'est quelqu'un qui brouille les pistes, mais qui, en même temps, voudrait que tu comprennes la vérité qu'elle vient incarner dans votre dynamique. Donc, c'est n'est pas quelqu'un de cohérent non plus, quoi. C'est quelqu'un qui a peur. Mais toi, tu as peur de quoi Bon, c'est pas fini entre vous, les gens. La, à la Vierge, l amour, gloire et beauté, hein, mes chéris. Hein. Heureusement, je vous aime. Euh, roi du denier en Poisson, en Maison 7, vous allez manifester quelque chose d'encore plus grand que euh, ce que vous auriez pu manifester jusque-là, qui était quoi La mort. <laughs> la mort. Au secours, quoi. Voilà. Vous pensez tous les deux que c'est terminé Non, c'est pas exactement ça, l'idée. L'idée, c'est qu'en Poisson, en Maison 7... Si vous ne voulez pas que ce soit terminé l'un comme l'autre, chacun dans votre coin, à un moment donné, il va se passer quelque chose qui va faire que, depuis vos solitudes apparemment respectives en poisson en maison 7, euh, vous décidiez de vous associer et ça va faire bam. Il y a une souveraineté physique, relationnelle, matérielle et financière dont vous avez besoin de davantage jouir pour pouvoir vous proposer depuis un état de grâce que vous n'avez pas besoin de quitter au gré d'incompréhension entre vous. Ici, j'ai deux personnes qui pensent que la dynamique fait que l'autre demande à l'un de sortir de son état de grâce et donc constitue une interférence dans sa vie. C'est totalement faux ici. Ici, vous êtes l'interférence en vous-même, de vous-même. Et vous allez vous en rendre compte. Peut-être par un rêve, je pense, bizarre. Ouais, par un rêve. Et puis sinon, il y a cette personne qui revient aussi pour, euh, pour parler. <laughs> quelqu'un vient te dire quelque chose. C'est quelqu'un qui vient te révéler quelque chose, apparemment. T'as fait au passage de l'épin pas inversé, à quelqu'un qui t'a menti. Mais pas sur ce que tu crois et pas pour les raisons que tu crois. C'est quelqu'un qui vit une difficulté physique, relationnelle, matérielle et financière douloureuse. Qui est en train d'en vivre un tourbillon, genre tambour machine à laver et puissance euh, 1800 watts, quoi, et qui voudrait pas que tu le saches. Mais vous, vous concrétisez mutuellement dans l'âge l'un de l'autre, quoi qu'il arrive. Ton hein. conseil, la laine, c'est marrant, c'est l'hexagramme 44, je te parlais d'une croyance d'interférence entre vous. et ben c'est ça, l'hexagramme 44, c'est l'interférence. Tu es tissé d'une étreinte, étreinte qui te protège et qui t'aime. Tu es enfin chez toi. C'est ton conseil. De travailler sur ton corps, apparemment. Un rapport au corps qui est, qui est négatif entre vous. Peut-être parce que quelqu'un considère l'autre plus beau ou plus attirant, si c'est amoureux. Si c'est amical ou familial, il y a un rapport au corps qui, qui ne joue pas en votre faveur. Il faut travailler là-dessus, les gens, je crois. Vous me direz si c'est ça, s'il y a quelque chose vis-à-vis -vis de votre corps que vous n'aimez pas et pourquoi vous ne faites rien apparemment, il faut changer ça. Sécurité, sûreté, confort, espace sacré, se sentir chez soi. Votre moi supérieur a choisi cette carte car vous avez besoin qu'on vous rappelle de prendre soin de vous. Parfois, s'habiller le matin est ce qu'il vous faut pour ressentir de la motivation et de la puissance. D'autres fois, il s'agit de dire non. La laine vous guide pour trouver ce qui vous fait du bien, vous blottir dans votre couverture préférée ou lire un livre pour la quinzième fois, acheter une petite cabane dans les bois, hors des sentiers battus ou rentrer chez vos parents pour qu'ils vous disent que tout ira bien. Et il y a des endroits où l'on se sent tout simplement chez soi et des choses qui nous font nous sentir en sécurité. Cette carte est le signe que vous avez besoin d'un sentiment de familiarité. Attendez-vous, attendez avant de vous lancer dans une nouvelle aventure ou de prendre une décision. Reconnectez-vous plutôt à ce qui vous procure du confort et de la paix. Le sentiment de sécurité vous permet de faire le point sans peur ou anxiété. Vous serez en mesure de prendre du recul. Si vous avez tiré cette carte avec le labyrinthe, il serait bon que vous retourniez sur vos pas pour vous reconnecter avec ce qui est important pour vous. Qu'est-ce que cette personne te dit si tu t'arrêtes là, que tu ne viens pas en extension Ça peut changer en extension. En extension, on va voir quelle est l'intention de cette personne, son état émotionnel à ton égard. Euh, comment cette personne compte se comporter pour cette activation numéro 11 en l'état actuel des choses vis-à-vis -vis de toi, à ton égard Qu'est-ce que cette personne va chercher à manifester par son comportement à ton égard Et comment est-ce qu'elle contribue à ta manifestation, celle de voir un vœu se réaliser à la vitesse de la lumière, quand même Voilà, voilà, voilà. C'était censé être une relation transactionnelle, n'est-ce pas <laughs> Vous allez faire une pause. Ça ira très bien. Vous en faites pas. I'm obsessed with you. And you don't give a fuck. <laughs> Je suis obsédée par toi, tu m'obsèdes, nuit et jour, jour et nuit. Et tu n'en as rien à foutre. Vous, vous faites miroir, non Je suis pas censée le dire peut-être. <laughs> Je continue sur www.thecosmicjoker.fr. Si tu continues avec moi, je te dis à tout de suite. Si tu t'arrêtes là, je te dis à plus tard pour d'autres manifestes. Quoi qu'il arrive, que Dieu te bénisse. C'était The Cosmic Joker. S'il te plaît, ne me dis pas merci en commentaire. Fais-moi un kiss. Fais-moi un petit bisou en commentaire. Ça me fera beaucoup de bien. Ça me procure toujours beaucoup de joie. J'adore les bisous. Maman, vrai genre. OK? <laughs> OK.